Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une de mes vidéos préférées maintenant. J'adore vous partager mes lectures. Voilà, vous le savez maintenant, j'ai envie vraiment de vous présenter toutes mes passions, dont la lecture. Alors, donc cette année commence très bien. Je suis à fond dans la lecture, motivée. Disons que peut-être j'ai eu un petit peu plus de temps aussi. Et comment dire que je suis tombée sur déjà des petites pépites. Et j'avais vraiment hâte de vous partager tout ça. Alors, je vous rappelle tout d'abord le challenge que j'ai lancé dans une de mes dernières vidéos bouquins. Je crois que c'était la top 10 de mes meilleures lectures de l'année dernière. Il me semble que c'est sur cette vidéo. Je vous ai lancé donc un challenge. Si vous vouliez lire en même temps que moi, pendant le mois de février, Rêver de Franck Tilliez. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui pourraient être intéressés, voilà, j'avais juste lancé un petit challenge. Si vous voulez lire ce livre avec moi, vous avez tout le mois de février pour le lire. C'est vrai qu'il était un petit peu épais, mais ma foi, il me faisait très envie et j'avais envie de le lire avec vous. Voilà, donc je vous mettrai la petite photo juste ici. Si, pour ceux et celles qui n'avaient pas vu la vidéo, si ça vous tente, n'hésitez pas. Voilà, et donc à la fin du mois de février, je partagerai mon avis sur cette lecture. Et puis j'attends aussi vos commentaires du coup sous la prochaine vidéo du mois prochain. Voilà, et puis même sur Instagram, vous pourrez m'envoyer des messages. On pourra en parler aussi sur Instagram, puisque je vais aussi en même temps profiter pour faire un petit post et vous proposer aussi sur Instagram la lecture commune de ce livre. Alors, donc tout d'abord... ma première lecture de l'année, ça a été mon premier coup de cœur. Je suis tombée sur un livre qui est un poème. Ce livre est une poésie à lui tout seul. C'est L'étreinte du rancier de Manon Ségur. Alors Manon a déjà publié un premier livre que je vous ai présenté déjà largement il y a quelques mois, qui s'appelait Le cloître des vanités. Donc, vous pouvez tout à fait le commander sur Internet, vous allez facilement le trouver. Et voilà, ça parle toujours d'une époque assez ancienne, hein, toujours dans notre région en Occitanie. Et voilà, elle est à fond dans le roman historique. C'est très beau. Il y a toujours une part de fantastique quand même dans ses romans. Donc, tout ce qui est roman fantastique, c'est pas trop mon truc, ni roman historique. Hein. Mais franchement, la plume est tellement belle, tellement fluide, tellement poétique. Vraiment, on ne peut qu'être touché par ces belles phrases. Hein. Le mieux, franchement, je suis tellement épatée par son écriture. C'est tellement beau. Je vais vous lire le début du livre. Franchement, c'est le chapitre 1. Donc, je vous montre quand même la couverture qui est magnifique. Il y a un travail dessus fantastique. Donc, déjà, regardez la première page. Vous avez tout ce dessin sur toutes les pages. Une écriture magnifique. Alors, je vous lis le début. Montagne Noire, Languedoc, 1934. Je suis la pierre à tout jamais. La pierre moussue accrochée à la montagne. La saveur de plusieurs millénaires hante ma gorge immobile. Je suis la grâce d'une statue érodée par les années. Je suis un rêve dont on ne peut sortir. Je suis une tragédie revenant trop souvent au goût des mortels. Je suis la pierre, surtout quand les nuits se font mauvaises. Alors, donc, ce livre, je vais vous dire vite fait la quatrième de couverture. On parle donc d'une jeune fille qui s'appelle Celia Wilkinson, qui est peintre, mais qui est alcoolique. Elle est exilée, je fais un petit peu le schmilblick à moi, hein, je ne lis pas exactement. Donc, elle est exilée dans une espèce de domaine, dans un village. Hein. Elle a été adoptée donc par un couple qui sont richissimes apparemment. Et voilà, ils l'ont un peu laissé gérer ce domaine. Et eux, donc, voient qu'à leur occupation, ils n'habitent pas sur place. Donc, elle gère le domaine entièrement à elle seule. C'est quelque chose voilà, de très grand. Donc, elle mène une vie quand même assez solitaire.
Et puis ben, un jour, elle va tomber donc sur un nouveau pasteur qui s'avère être une femme, Clémence Saléroux. Et voilà, il va se passer énormément de choses. Il va se passer, ben, il va y avoir des meurtres, il va y avoir des manigances. Voilà, il va y avoir tout un tas de choses, un petit peu aussi dans le fantastique. Hein. Mais l'histoire est tellement belle, tellement racontée, mais voilà, avec poésie, voilà, c'est magnifique, vraiment. J'ose même pas essayer de vous raconter l'histoire, mais Célia, en fait, c'est quelqu'un qui a été traumatisé, jeune. Et en fait, elle garde dans sa tête un démon, la personne qui lui aurait fait tant de mal. Et elle a donc un visage dans son imaginaire. Et un jour, ben voilà, elle va tomber sur cette personne. Est-ce que ça va être vraiment son bourreau? Est-ce que c'est dans sa tête? Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré tout, cet homme va l'aider à comprendre, voilà, ce qui l'a traumatisé. Et voilà, il va y avoir quelque chose, un lien. Ça va être vraiment très... Voilà, c'est fantastique, hein, dans tous les sens du terme. Je ne peux pas trop vous raconter parce que c'est vraiment tellement particulier. Et il faut vraiment que vous découvriez cette autrice. Je vous en ai déjà parlé, donc du coup, pour son premier roman, Le Cloître des Vanités, qui parlait donc d'un moine qui est reclus dans un village dans les années 1200, quelque chose comme ça, et qui en fait se trouve être le diable et qui a pâté par des leurres. Il s'immisçait dans le cerveau des gens, dans l'esprit des gens, pour leur faire voir des choses qui n'existaient pas, pour les appâter dans son cloître et pour se boire de leur esprit, de leur douleur, de leur faiblesse, de leur tristesse, de leur sentiment. Mais c'est là aussi, il y a une histoire d'amour qui rentre en compte dans ce premier livre aussi. Enfin, c'est fantastique, c'est écrit avec une plume mais tellement belle. Donc je suis vraiment heureuse pour elle, voilà, qu'elle ait pu enfin pouvoir éditer ce livre, donc au Crin de Chimère, c'est édition Crin de Chimère. Donc elle avait fait une campagne Ulule, donc pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir, j'avais mis quelques posts, quelques stories. Donc voilà, elle a réussi donc à éditer ce second livre et c'est fantastique. Voilà, tout simplement, moi j'ai adoré, vous l'avez bien compris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? En deuxième, qu'est-ce que j'ai lu? Oui, Chambre Noire. Alors, Chambre Noire de Karine Gable, hein, voilà, vous savez. Je m'oblige tous les mois, enfin, je m'oblige, c'est pas du tout un déshonneur. Ni... Au contraire, hein, c'est un réel plaisir. Mais comme j'ai énormément de choses à lire, donc je m'oblige tous les mois à lire au moins un livre, un roman de Karine Gable. Donc là, j'ai lu Chambre Noire. Alors, donc, il s'agit de... Nouvelle, on peut dire ça comme ça. C'est un monde là qui ressort, mais un monde sans pitié. Je vais vous parler rapidement de la première histoire, c'est celle d'ailleurs qui m'a le plus marquée, il me semble. Donc il s'agit d'un homme qui a eu un accident. Alors au début, on ne sait pas de quoi, mais c'est une histoire de chasse. Et en fait... Au début, non, parce que c'est un accident de voiture. On sait qu'il est séquestré par deux personnes, un père et une jeune fille. Et donc, en fait, il est séquestré dans une pièce, dans un endroit totalement isolé. Et il leur apporte à manger une fois par semaine. Et donc, en fait, on apprend tout doucement dans l'histoire, même si elle est assez courte, on apprend que ben, donc, du coup, ce monsieur, ça s'appelle Martin, et il a tué la mère de cette jeune fille et la femme notamment donc, de ce monsieur qui le séquestre. Mais on ne sait pas comment. Voilà, bon, moi, je pensais que c'était un accident de voiture. Voilà. Et en fait, il est séquestré par ces gens. Et donc, ils lui disent que ben, durant le procès, ils n'ont pas été convaincus. Voilà, mais pas du tout par sa sentence. Pour eux, il n'a pas eu la sentence exacte. Donc, pour eux, il va rester emprisonné 10 ans. Donc, en fait, ils vont le séquestrer pendant 10 ans. Donc, petit à petit, voilà, l'histoire se fait. Lui, il n'y croit pas.
Mais bon, ils s'aperçoivent que finalement, ben, voilà, ils viennent qu'une fois par semaine et puis après, ils viennent qu'au bout de mois. Il a du coup très peu à manger et puis il va se laisser aller un petit peu. C'est très bizarre, très très bizarre. Quand même, la fille Florence, elle va être quand même un petit peu, elle va pas prendre pitié, non pas du tout, parce que là vraiment, ils sont sans pitié pour lui. Elle va quand même lui apporter de temps en temps des livres pour qu'il puisse quand même faire autre chose que d'être prostré toute la journée. Et puis, bon, lui, ben, espère que bon, ben, la police le retrouve. Hein. Voilà, lui, c'est vraiment, il espère tout au fond de son cœur que voilà, la police le retrouve. Et puis, dans sa, si on peut dire, dans sa cellule, hein, c'est comme une chambre avec un évier, juste deux, trois trucs pour se faire à manger. Vraiment, c'est très succinct. Et donc, notamment sur cette pièce, il y a tout un mur avec des photos donc, de la personne qu'il a tuée. Donc, tous les jours, il voit les photos de cette femme. Fait bon, oh, c'est très spécial. Mais c'est écrit tellement bien, encore une fois. C'est pas trop tiré par les cheveux. Hein, mais franchement, donc là, vous avez plusieurs histoires. Hein. Voilà, c'est vraiment spécial. Comme d'habitude, c'est du pur Karin Gable. Ça perturbe, ça flash, ça marque. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai lu le tome 2 de Blackwater. Je vous mets la petite photo ici. Donc, Blackwater, vous savez, ça parle donc d'une famille. Je vous en ai déjà parlé. J'ai lu le tome 1 il y a quelques temps. Donc, c'est une super saga qui a fait vraiment fureur dès qu'elle a été traduite en français. D'ailleurs, en plusieurs langues et pas qu'en français. La personne, donc, c'est Michael McDowell, pardon, qui est décédé. Et donc, ce sont ses enfants qui ont décidé, voilà, de publier à un large public. Et donc, ce roman a été traduit en plusieurs langues, hein, puisqu'il n'était, je crois, produit qu'en Angleterre. Et donc, voilà, ça fait fureur. Et je crois qu'il y a 5 tomes. Il me semble qu'il y a 5 tomes, pas 6, mais 5. Voilà, donc ça fait fureur. J'ai déjà lu le tome 1. Ça parle donc d'une petite famille qui vit au bord du Perdido, qui se trouve dans quel état de... Oh, j'ai mangé le mot. Comment ça s'appelle cette nouvelle? Je ne me souviens plus. Je vais être obligée de couper la vidéo. Donc, le tome 2, ben, voilà, forcément, c'est la suite du tome 1 dont on parlait, voilà, de cette famille très riche. Et de ce fleuve du Perdido, voilà, c'est un endroit très particulier. C'est très mignon. Bon, c'est des temps anciens. Mais franchement, c'est très bien écrit. Ça se lit assez vite. Les livres ne sont pas très gros, franchement. C'est pas mal du tout, l'histoire. Bon, après, moi, j'ai pas eu un gros engouement. Mais ça se lit, ça se lit. Donc, le tome 1 parlait donc d'une jeune personne qui est arrivée comme ça dans cette ville, qui est notamment donc, a été retrouvée dans un hôtel, dans une chambre d'hôtel, pendant une énorme inondation. Il y a eu vraiment le Perdido, voilà, est sorti de ses gonds, on peut dire, voilà, et a inondé tout le village, sauf la maison de cette grande famille. Donc, cette jeune fille donc, a été retrouvée et donc un des personnages clés donc, du livre et de cette grande famille donc, l'a hébergée. Et puis, bon, ben, donc, au fur et à mesure, hein, des choses se sont passées. Elle se marie donc avec son cousin, donc c'est son neveu, avec son neveu. Et voilà, elle fonde une famille, etc. Mais évidemment, il y a des histoires de jalousie, il y a toujours... un peu la reine-mère, mais qui n'est pas la mère en plus, voilà, qui veut s'occuper un peu de tout ce qui ne la regarde pas. Bon, en fait, c'est très spécial. Voilà, il y a une histoire évidemment de possession. Alors après, il y a quelque chose d'un petit peu... un peu fantastique, hein, franchement. Oui, on peut dire il y a un petit peu de fantastique parce qu'il y a des choses qui se passent avec cette jeune personne qui s'appelle Léonore.
On se doute qu'elle a quelque chose, elle a des dons, enfin, elle a un truc chez elle qui est en rapport avec avec l'eau et avec ce fleuve, le Perdido. Elle a un rapport avec très particulier. Et voilà, il y a un effet un petit peu fantastique. Voilà. Et c'est très joli, très joli. Il y a des histoires de manigance, voilà. Bon, donc c'est sympa, ça se lit facilement, rapidement. Donc là, j'ai lu le tome 2. Donc j'essaye, voilà, une fois par mois, de temps en temps, quand j'y pense, voilà, d'essayer de le suivre, de pas trop attendre, parce qu'après, c'est vrai que ça coupe un petit peu l'histoire et on est un peu perdu quand on reprend. Bon, je continue la saga, tranquillement, mais sûrement. Ensuite, j'ai lu « Cœur et âme » de Colleen Hoover. Donc, c'est ma collègue Béatrice qui me l'a prêté. Et franchement, je n'aurais pas cru aimer à ce point. Alors, donc, ce livre, c'est pas trop le genre de bouquin que je lis. C'est un peu du feel good. C'est un petit peu, pas des romans à l'eau de rose, pas du tout. Mais bon, vous voyez ce genre de lecture un peu plus légère. Une fois ou deux par an, voilà, je m'autorise à lire un peu ce genre de livre. Parce que voilà, c'est pas mon truc, mais je reconnais que là, franchement, je me suis régalée. Alors donc, en fait, ça parle de Béa. Béa est une jeune fille qui vit avec une mère toxico, voilà, qui ne l'était pas au tout début de sa naissance. En fait, Béa est arrivée, mais comme ça, par un coup d'un soir. Donc, sa mère, bien, quand elle s'est retrouvée enceinte, elle a signalé au papa génétique. Et donc, du coup, ils se sont mis d'accord. Bon, mais lui n'habitait pas sur place. Voilà, il voyait sa fille que de temps en temps dans l'année, deux fois, je crois, ou trois fois par an. Et donner à sa mère, ben voilà, une pension. Voilà. Donc, du coup, elle a quand même eu un père assez absent, pas très impliqué. Et petit à petit, cette mère s'est enfoncée donc, dans la drogue. Et plus ça a été grave. Ben, jusqu'au jour où ben, voilà, elle est morte d'une overdose. Et Béa se retrouve seule, sans argent, puisque bon, voilà, sa mère, tout l'argent qu'elle pouvait avoir déjà de son père, ou les cadeaux, etc., tout a été happé dans la drogue. Donc Béa décide ben, d'appeler son père. Et de partir, voilà, puisqu'elle n'a rien, elle n'a plus rien, elle n'a pas un sou, donc elle est bien obligée de continuer sa vie. Et elle s'est dit, ben voilà, je vais partir chez mon père quelque temps. Et ensuite, dès que le lycée reprend, parce qu'elle venait d'obtenir une bourse grâce au volley-ball, je crois qu'elle joue au volley. Et voilà, donc elle a reçu une bourse, donc elle s'est dit, ben je vais habiter chez mon père le temps d'avoir la bourse, et après je pars en internat, et puis c'est tout. Je ne veux plus rien savoir de personne. Et puis, ben voilà, donc elle arrive dans cette famille. Elle s'aperçoit ben, qu'elle a une demi-sœur. Voilà, puis bon, ben, elle commence à fréquenter un petit peu ses amis. Puis, ben, de fil en aiguille, elle tombe amoureuse de Samson qui habite à côté de chez son père. Donc voilà, donc Samson paraît être un jeune homme qui vit seul, riche, qui s'occupe donc des villas de son papa. Bon, donc de fil en aiguille, voilà, ils vont tomber amoureux, et puis ben, jusqu'au jour elle va savoir qui est Samson. Voilà. Donc finalement, ça se lit très bien. Voilà, moi j'ai bien aimé, je l'ai lu en un week-end. Je l'ai lu dans le week-end, franchement je me suis régalée. L'histoire était vraiment sympa. Voilà, bon, après, c'est toujours un petit peu ces romans un peu feel good. Voilà. Bon. Pour une fois de temps en temps, franchement, moi, je vous le conseille. Ça fait penser un petit peu à autre chose qu'à tout ce qui est thriller, etc. Ça fait du bien. Voilà, donc, un petit roman à se bouquiner rapidos. Ensuite, ah oui, alors là, c'est un autre coup de cœur. C'est Mon amie Adèle, que j'ai lu donc sur Liseuse. Franchement, ce livre, j'ai pris une boîte phénoménale. Alors, vous l'avez aussi en mini-série sur Netflix, mais je vous conseille absolument de le lire d'abord, parce qu'il y a des choses qui sont dans le livre, mais qui ne sont pas dans la série, et vice-versa. Forcément, le livre est toujours mieux,
Mais c'est vrai que la série, bon, ça vous donne un petit aspect un petit peu sur les personnages au niveau physique ou certaines scènes. Bon, mais franchement, le livre est topissime et c'est Sarah Pinborough qui a écrit ce livre. Ce n'est pas son premier du tout. Alors, de mon amie Adèle parle donc d'une mère célibataire, Louise, qui voilà, est divorcée, qui vit seule avec son fils, garde alternée, voilà, bon. Et puis, donc, elle travaille comme secrétaire chez des psychiatres. Et donc, un jour, bon, ben, un soir, elle décide de sortir, voilà, boire un coup avec une copine. Et puis, bon, la copine ne se pointe pas. Puis, bon, mais finalement, elle tombe sur un homme très charmant, avec qui elle rit, elle discute. Enfin, ils ont vraiment un truc qui se passe entre eux. Et avant de partir, ben, ils s'embrassent. Et puis, ben, lui, d'un coup, s'excuse et dit, ben, je suis désolée, j'aurais pas dû. Et puis chacun s'en va de son côté. Bon. Le lendemain matin, elle part travailler. Et puis, sa collègue lui dit, tiens, il y a le nouveau psychiatre qui arrive. Il est dans le bureau en train de discuter. Il se présente avec sa femme. Donc, elle ne voit que le dos de sa femme, mais elle voit qui est le psy. Et c'est le monsieur qu'elle avait rencontré la veille au soir. Voilà. Donc, grosse, grosse gêne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache dans les toilettes. Bref, jusqu'à ce qu'ils partent. Mais bon, le lendemain, ben voilà, faut bien aller travailler. Donc le lendemain, ben voilà, la gêne est là. Chacun s'excuse. Oui, c'est bien moi, mais vous êtes ma secrétaire. Oui, je suis votre secrétaire. Bon, bref, voilà. Donc la cohabitation va être un petit peu gênante, mais pas très compliquée. Elle est très professionnelle, Louise, et puis lui aussi est très professionnel dans son travail. Et puis ben un jour, elle, en amenant son fils à l'école. Elle rencontre, d'ailleurs c'est une rencontre percutante puisqu'elle se percute les deux. Et du coup, donc elle discute et dit oui, mais je sais plus comment dans le livre ça vient. Donc elle dit oui, mais je suis la secrétaire de votre mari. Voilà. Je sais plus comment ou non, ou c'est parce qu'elle l'avait vue, elle la reconnaît. Oui, je crois que c'est ça en fait, elle la reconnaît, pardon. Elle lui dit, mais vous êtes la femme de David, je ne sais plus son nom, le psychiatre, je suis sa secrétaire. Ah, ben oui, en effet, machin, tout ça, bon. Et elle lui dit, ben, si vous voulez, on pourrait aller boire un verre, on pourrait se voir, moi j'arrive ici, je connais personne, patati patata. Et puis, ben, de fil en aiguille, elles deviennent amies, mais le David, le docteur, n'est pas au courant. Entre-temps, le docteur, finalement, ben, tombe vraiment amoureux de Louise. Donc, ils ont une aventure. Voilà, donc ils couchent ensemble. Et puis, petit à petit, on s'aperçoit que sa femme, ben, elle est vraiment bizarre. Donc, sa femme qui s'appelle Adèle, donc qui est mon amie Adèle. Et on s'aperçoit qu'elle fait des trucs dans ses rêves. Enfin, il y a des choses qui se passent très, très spéciales. Et donc, son mari, le docteur, est devenu alcoolique. Ils ont une vie, mais vraiment les pauvres merdiques. Lui ne l'aime plus. Il n'aime plus sa femme. Et elle fait tout par contre pour le reconquérir. Mais en fait, elle est complètement folle. Mais ça, après, c'est vrai que dans le livre, bon, on s'en doute. Hein, voilà, on se doute bien de ce qui se passe. Mais dans le film, je trouve que c'est beaucoup plus clair. Et Louise, du coup, ben, elle est prise entre deux feux. Elle ne sait pas qui croire, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas si elle doit dire à David ben, qu'elle connaît sa femme. Elle ne dit pas non plus à Adèle forcément qu'elle couche avec son mari. Donc, c'est un triangle amoureux très spécial, très malsain. Je préfère même pas vous raconter la suite parce que je vais vous spoiler. Mais c'est phénoménal, j'ai pris une claque avec ce bouquin, mais c'est vraiment, c'est génial. Donc je vous conseille vraiment aussi Mon amie Adèle de Sarah Pinborough. Je peux pas vous dire plus tellement que c'est génial. Et je ne veux pas trop en dire non plus parce que ça va tout vous spoiler. Donc foncez Mon amie Adèle. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Phobos. Phobos qui est une saga en 4 tomes. De Victor Dixon, donc ça a fait aussi un gros gros buzz sur BookTok. Je crois que ça a beaucoup parlé aussi sur BookTube, BookTok, tout ça. Ça a fait vraiment fureur.
Alors moi, j'ai attendu un moment quand même que ça se calme. Et puis bon, après, vous savez, j'ai tellement de lectures, donc des fois, je ne pense pas à lire certains bouquins que j'ai achetés. Donc du coup, j'avais acheté que le tome 1 parce que je ne savais pas du tout si j'allais aimer. Alors en fait, Phobos, ça parle de six filles, de six garçons qui sont sélectionnés pour partir sur Mars se marier. Donc, il y a eu énormément de monde qui ont participé, mais ils n'en ont choisi que six de chacun. Et donc, ils ont suivi pendant un an une espèce d'entraînement pour pouvoir vivre, ben, écoutez, déjà dans un vaisseau spatial et dans l'espace, hein. Chacun est formé, un sur la médecine, un sur la communication, voilà, sur plusieurs secteurs. Et donc, ils doivent avoir des speed dating, donc pendant toute la durée du voyage, qui dure à peu près, je crois, 3 mois, 2 ou 3 mois. Et voilà, donc voilà, ils doivent avoir des speed dating. Et donc, à l'arrivée, donc chacun doit donner une liste de la personne, en fait, des personnes en priorité, voilà, qui les intéressent. Et notamment, donc, en premier, ben forcément, la personne avec qui ils ont envie de se marier. Et donc, après, à l'arrivée, donc, sur Phobos, parce qu'ils vont... Je crois qu'ils non, ils arrivent d'abord sur Phobos et après ils partent sur Mars. Et Phobos, je crois que c'est... Je ne sais pas trop. Ça, c'est vrai que ça, je n'ai pas bien compris. Phobos, si c'est vraiment le lieu là où ils doivent habiter, sur Mars, ou si c'est un satellite de Mars, enfin, ça, je n'ai pas trop compris. Donc voilà, et arrivé là-bas, ben, ils doivent se marier chacun ben, avec une personne. Voilà. Donc ça m'a bien intéressée. Je me suis dit, c'est vraiment original, ça va être sympa, il va y avoir des speed dating et tout, un petit peu de jeu de romance, un peu quand même. Hein. Eh bien, en fait, pas du tout. Écoutez-moi, franchement, j'ai pas accroché sur les personnages. Le personnage principal, c'est Léonore. Non, j'ai pas accroché sur les personnages, même elle, bon. Elle fait un petit peu la fille rebelle. Elle est obligée de. Voilà, il y a une petite entourloupe en fait sur ce voyage sur Mars parce qu'en fait ils ne doivent même pas revenir sur Terre. C'est un voyage, un aller sans retour. Ça, ils sont au courant. Hein. C'est des gens qui n'ont plus de famille et qui partent de leur plein gré hein, faire leur propre famille, mais sur Mars. L'histoire est originale, certes, mais je n'ai pas accroché sur les personnages. Voilà, bon, je l'ai lu, hein, ça, je l'ai lu assez rapidement d'ailleurs parce qu'il est assez gros. Je crois que je l'ai lu en 3-4 jours. Mais bon, ouais, je sais pas à quoi je m'attendais, à quelque chose d'un petit peu plus percutant, un petit peu plus romantique, hein, peut-être. Hein. Bon, donc je me laisse quelques temps pour lire le 2. Voilà, je me laisse encore quelques temps, je vais lire d'autres bouquins. Et je pense qu'à la fin du mois de février, je relirai le tome, enfin, je lirai le tome 2. Je ne veux pas trop attendre non plus, mais bon, j'ai pas trop accroché. Bon, après, je sais qu'il y en a qui ont vraiment adoré, adoré. Donc peut-être que le 2 va me motiver un petit peu plus et va m'intéresser, me happer plus que ça. Pourquoi pas, je ne sais pas. J'attends de voir. Je vous dirai ça plus tard. Ensuite, ben, pour finir. Ben oui, déjà pour finir, j'ai écouté un livre audio, c'est La femme parfaite. Je vous mettrai la petite photo ici parce que je ne sais plus du tout qui c'est qui l'avait écrit. Enfin, oui, parce qu'à la base, c'est un livre écrit. Ça parle d'un couple qui déménage et qui change complètement de vie, si on peut dire. Donc, elle est en train de faire ses études de psychologue. Policière, quelque chose comme ça, je ne sais plus le terme exact. Et elle veut travailler, voilà, après dans les enquêtes et être psy, voilà, pour étudier les personnes au mental très dérangées, voilà. Et donc son but, c'est d'intégrer une unité particulière qui emprisonne donc mais les plus gros détraqués du monde, en fait, voilà. Donc elle, c'est ça, elle veut absolument rencontrer un tueur, un serial killer. Voilà, elle, son but, c'est ça. Et son mari est un fou de boulot, il est dans une grosse boîte où il faut vraiment qu'il bosse à la commission, enfin voilà.
Et donc, ils décident de partir habiter, je ne sais plus comment s'appelle cette ville, mais ils déménagent, voilà, ils étaient en pleine ville, et là, ils déménagent un peu plus à la campagne, dans une villa fabuleuse, etc., auprès d'un ancien ami qu'il a vu au collège, ou au lycée, je ne sais plus trop. Voilà, donc c'est un endroit un peu spécial, c'est un petit peu, vous savez, ils sont obligés un petit peu d'adhérer dans un club. Elle s'aperçoit qu'en fait, le mari d'une la trompe. Fait, ce club est un peu louche, les hommes font des trucs que les femmes ne doivent pas savoir. Fait, bon, c'est un petit peu, voilà, un petit peu spécial. Puis elle, en même temps, bon, ben, elle reprend ses études, elle continue et puis ben, elle arrive à donc être sélectionnée. Parce que ça aussi, c'est un, vous verrez dans le livre, c'est un peu spécial. À être sélectionnée pour évidemment ben, pouvoir rentrer dans cet institut en tant qu'élève psychiatre pour parler donc à ce serial killer avec qui donc eh bien elle va réussir à avoir plusieurs entretiens. C'est spécial, ma foi, mais l'intrigue était pas mal du tout. Franchement, c'était pas mal. Alors oui, il va y avoir une intrigue parce que il va y avoir un meurtre. Et elle va essayer de comprendre parce qu'en fait, elle va être un petit peu accusée. Enfin, accusée, ça ne va pas trop se savoir. Ça sera que son mari qui sera au courant. Voilà, il y a des entourloupes. Il y a des manigances. Il y a des choses qui se passent à son insu. Et ma foi, ben, c'était pas mal du tout. J'aime bien finalement écouter des polars. C'est en voiture, c'est pas mal du tout. Franchement, ça fait plusieurs que je lis comme... Enfin, bon, je m'entête à dire lire, mais à écouter. Et franchement, c'est pas mal du tout. Voilà, pour le mois de janvier, franchement, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres et écouté un audio. Donc, pour moi, je trouve que je suis au top. Là, je suis au max parce que je crois que des fois, j'arrive qu'à lire que 3 ou 4 livres. Ben là, j'ai lu 6 et écouté un audio, donc c'est sympa comme tout. Donc là, j'ai débuté le livre qui s'appelle « La maison au bord de la mer céruléenne ». C'est magnifique, j'en suis au tiers du livre, c'est magnifique. Il me tarde le mois prochain de pouvoir vous faire la revue, surtout de le finir parce qu'il est magnifique ce livre. Et j'écoute notamment en voiture donc un audio de... Michael Cornwell, je crois que c'est ça, voilà, un écrivain qui fait beaucoup de polars. Et voilà, ça se suit, hein, plus ou moins, quand même, il y a toujours le même enquêteur. Je ne sais plus comment il s'appelle, ça ne me vient plus. Bon, là, ça, c'est le début hein, que j'écoute, je crois que j'ai écouté déjà qu'une petite heure. Ça s'appelle Les Neuf Dragons, voilà, bon, si ça vous dit. Donc, c'est pas mal du tout aussi, hein, franchement, déjà, j'ai bien accroché. Donc écoutez, je vous rappelle, si vous voulez participer au challenge pour le mois de février, donc lire avec moi Rêver de Franck Tilliez, eh bien vous êtes le bienvenu, la bienvenue, c'est avec grand plaisir. Donc on se retrouve à la fin du mois de février eh bien, pour parler de mes prochaines lectures et pour parler ensemble de ce livre Rêver de Franck Tilliez. N'hésitez pas donc à me contacter si vous voulez sur Instagram ou évidemment mais à la suite de cette vidéo, vous pouvez toujours me mettre vos commentaires. Je vous embrasse très 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 fort et puis je vous dis à très très bientôt pour de bonnes...